C'est parti. Dépêche. Là-haut. Eh ben, c'était chaud, hein. T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens, on y va. Dis, comment tu t'y es pris? Pour les lucioles? Ouais. Tu te souviens la luciole que t'as mordue pour lui piquer son flingue? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est Trevor, je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entré dans une ruelle et là, les lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais en fait, elle m'a dit « T'en as mis du temps ». Comme si elle m'attendait. Et t'es juste devenue une luciole? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un peu ça. Bien sûr que je me suis. Oh. Allez. On est dans les temps. Avec qui tu traînes ces temps-ci? J'en sais rien. Pas grand monde. Même pas avec Tino et ses potes? Comment ils vont d'ailleurs? Riley, ce sont tes amis. Pourtant, tu leur parles bien. Ouais, des fois. Et t'as trouvé la lumière? Oh, désolée, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors, t'es à fond dans leur trip, maintenant? Je t'assure que je suis pas un soldat. Bonjour, mon cul. Je pense qu'on est infecté tout le temps. Il le cache bien, c'est tout. Me dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés. Même que pour l'initiation, ils m'ont demandé de tuer. En fait, ma père ne veut pas en parler. Oh merde, planque-toi! Pardon, je suis un peu sur les nerfs, là. Eh, dis, et si je rejoignais les lucioles? Ellie, c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne? Elle a peur que je te crée des problèmes. Mais bien sûr. J'ai pas besoin de toi pour me mettre dans le pétrin. Ça, je le sais. Hé, tu te souviens la première fois où je t'ai amenée ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley? J'ai une surprise pour toi. Quoi? C'est un dinosaure? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras.
c'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûr? Quoi? C'est Winston? Waouh, il était pas dégueu. Bingo! T'en veux? Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Oh, je t'en prie. Non! Non, la vache! Tiens. Eh oui. C'est dégoûtant. Ah, la tienne, Winston. Ouh! C'est fort. Allez. Mais où est princesse? Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre jument. Elle doit être terrorisée. Merde. Ellie, aide-moi à lever ça. Je déteste ramper là-dessus. J'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. T'inquiète. Tu me suis. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Riley, tu sais quoi? Je vais te faire la courte échelle. Ça s'ouvrira peut-être de l'intérieur. Ça marche. Riley? T'es nul, ça fait deux fois aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on soit jamais venu ici? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley... Parfait. Regarde ça. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre? Enfile-le. Ouais, ça le fait. Et grogne. Ellie, sérieux? Fais-moi peur! Regarde-moi tout. Et ça se vend, ces trucs? Je comprends pas. Waouh! Espèce d'étire. Ouais.
Mort de vin. Pose-lui une question, si tu l'oses. Ok. Est-ce qu'on va mourir aujourd'hui? Que dalle! Pff, quelle arnaque. Il faut que tu la retournes, Einstein. Ah. Vos os sont bien à l'abri. Ah! Ouf, ça va déjà mieux. Est-ce que je vais reconduire un jour? Sûr à 100%. Classieux. Est-ce qu'on va sortir de cette foutue zone de quarantaine? L'avenir nous le dira. Alors, il y a des chances. Est-ce que je jouerai un jour à un jeu vidéo? Je crois que c'est mort. Je t'emmerde, sale crâne. Est-ce que je vais finir par avoir des seins? Les esprits se taisent. Ah, oh, comme par hasard. Est-ce qu'on va récupérer nos pistolets à eau? Les esprits disent oui. Ha! T'entends ça? On va récupérer les pistolets. Laisse tomber, Ellie. Laisse tomber. Est-ce que t'es un abruti? Ça, c'est la classe. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Bon, au moins c'est clair. Est-ce que Riley saura un jour jouer au poker? Je t'entends, tu sais. Les signes sont flous. Bon, tout n'est pas perdu. Non, j'ai laissé tomber. Je te laisse le poker. Les souliers de Ruby, qu'est-ce que tu as bien pu en faire? Oh, mon Toto, mais quelle horreur! Trop naze. Vois ces voitures en bas. Ouais. Toi, tu prends la rouge, et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Tu déconnes? Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La perdante doit répondre à une question. Mais sincèrement. C'est vérité ou vérité, c'est ça? Ok, bouffonne. C'est parti. Ouais! Quoi? Et bim! Ça, c'est du lancer! Deux cafés! Dans le mille! Ouais, t'as vu ça? Tiens. Chier.
victime. Merde, plus qu'une. Yes! La déesse des briques! Les vitres de la mienne étaient plus solides. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bon, c'est l'heure de la question. Ouh, j'ai peur. Ok. Avant de partir, pourquoi tu m'as envoyé chier ? J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je te l'ai dit, mais tu voulais pas me laisser toute seule. Ouais, parce que je m'inquiétais. Je sais, t'inquiète. Écoute, tout ça, c'est du passé. Et on est là maintenant. Bon, allez, il faut que je te montre ce truc. On y est presque. J'ai trop hâte. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Ça me file la chair de poule. Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville ? Ouais. Bah, suis-moi. Donc, tu vois... toute la ville a du courant. Ils ont juste fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas, ça marchera jamais. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Attends, on a tout allumé, là ? C'est ce qu'on va voir. T'es vraiment prête pour ça ? Attends, je sais ce que t'essaies de faire, et... je suis contente que tu sois en vie. Enfin...